Je reviens là. J'espère qu'il y aura un peu de monde cet après-midi, sinon c'est pas grave. Pour poursuivre la robe de ce matin. Donc là, j'ai préparé le tissu. J'ai trouvé un reste de coton par la doublure. J'espère qu'il y en aura assez. Sinon, de toute façon, c'est une toile. Hein. Voilà. Alors, je voulais rajouter l'écran sur. Alors, c'est pas ici. Non, c'est pas non plus là-dessus. Alors ça, c'est la ceinture gauche. C'est pas ça. Ceinture droite. Tiens, j'ai oublié de mettre un point de repère. Bon, pour le faire. Hop, ici. Sur les pans de la jupe. Je voulais diviser en tiers. Donc là, j'ai divisé la jupe dos en tiers. Il faut que je fasse pareil sur les deux autres. De couture, c'est là. Ça fait 93,3 comme ça. 93,3. 31,1. Normalement, ça doit faire 31,1. Ouais. Donc là, je viens de rajouter trois crans juste pour bien répartir la couture là. Et pareil de l'autre côté. La ligne de couture, elle est là-bas. Je rajoute l'écran de montage sur la couture côté de la jupe. Parce que comme ça, il y a une grande longueur. Histoire de bien répartir. Hop, 94,1. Alors, 93, ça ferait 31, 31,3, 35 même. Ah non, pas du tout. Oh ben alors, attends. Là, je suis à 32. Parce que je me suis. Ah, c'est normal. J'ai pas fait 31,3, j'ai fait 30,3 là. 3.
en train de me dire, ça y est, je ne sais plus compter. 31,3, c'est ici. Et 31,3. Parfait. Voilà. Peut-être gommer les mauvais. Là et là. Voilà. Des petits crans de montage. Est-ce que j'ai reporté celui qui était là? Bonne. Ah bah, je n'ai pas besoin de reporter. Et, puisque j'ai dit que c'était des pans uniques. Il y en a un là. J'en ai pas ici. A priori, ça se met comme ça. C'est vraiment étrange. Ah bah non, ça se plie comme ça. Non, 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 c'est pas étrange. Puisque là, ça vient ici. Ouais, ok. Bonjour Clément 6 Family, bienvenue ici donc, parce que je vois que c'est la première fois que je te vois. Bienvenue, bienvenue. Alors, je vais passer sur la table. Hop, plus besoin de me voir moi. Allez, on va découper ça. Faut essayer de loger les grands pans. Alors, est-ce qu'il loge sur la largeur de mes... Ouf, à peine. Hein. À peine. Vraiment large, hein. C'est vraiment des grands. Ça loge à peine sur mes tapis de coupe. D'ailleurs, je crois que ça fera vraiment trop grand. Je me demande si la version finale, je ne vais pas réduire un peu. Mais bon, on verra. Alors, celui-là, il loge à peine. Ah, celui-là est beaucoup plus court. Celui-là est beaucoup plus court. C'est le devant droit. Oui, c'est normal, je n'en ai pas mis. Allez, on va essayer. Alors, mon sens de tissu, je m'en fiche, puisque c'est une toile. Donc, je vais essayer de gagner de la place au maximum. En plus, je crois que de toute façon, il n'y a pas de sens. Ça, c'est bien. Mais dans tous les cas, OSEF. Comme c'est de la popeline, ça bouge pas. Facile à travailler. Alors. Je t'ai pas demandé ce matin, cela a été en vacances ou pas? C'est comme l'année dernière, c'est plus tard. Fin août, ouais, comme l'année dernière. Donc tu as deux longs mois de travail là. Aïe, aïe, aïe. Alors, pour gagner, a priori, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut que je le fasse. Tu fais le pont cette semaine. Ouais, donc tu prends quand même ton 14 juillet. Ok. Alors, là, ça va le faire comme ça. Ouais, vous voyez, hein, je déborde là. Il va
falloir que je décale mon tissu après. Et puis bah, l'autre, on le mettra par là. Puis là, je ne vais pas m'amuser à épingler. Hein. Je ne vais pas m'amuser à épingler. Enfin, franchement, on s'en fiche un peu. Juste là pour pouvoir tirer tout à l'heure. Je vais mettre juste quelques épingles. Donc, oui, tu ne travailles pas jeudi, vendredi. Ok. Et donc, télétravail, j'imagine, aujourd'hui. C'est pour ça que tu arrives à suivre. Je crois bien qu'il faut que je change la lame de cutter. Il me semble. Exactement. Ouais, ok. Bon, je te dérange pas dans ton travail. Je vais pas trop te poser de questions, alors. Parce que sinon, je sais que tu es obligé de passer sur le canal chat. Alors, je vais changer la lame. Ça, c'est les usées et ça, c'est les neuves. Tac. Alors, on va essayer d'éviter de se blesser, hein, tant qu'à faire. Ah, ben ça, c'est vide. Très bien, c'est vide. Non, je m'inquiète pas, mais bon. Je me doute que si tu mets en arrière-fond, c'est que tu peux te permettre. Sinon, je me doute bien que tu n'aurais pas mis. Donc bah, celui-là, il est vide, d'accord. Il va falloir que je compte mes lames pour pouvoir en racheter. Ah, mince. Je me méfie parce que c'est tranchant comme une lame de rasoir. Hein. C'est vraiment t'étais con. Ouais, ok. Donc on s'étonne pas. Si on te pose une question et que tu réponds pas, ça veut dire que tu es concentré. Bon, ben ça c'est vide. Allez, c'est parti. L'avantage, c'est que ça va couper comme dans du beurre, là. Popeline pareil. Alors, je suis désolée, avec la coupe, c'est vrai que je vais être obligée de passer devant la caméra. J'ai pas de table qui tourne sur elle-même encore. Donc, il y a des moments où je risque de passer devant. Je vais avoir le bras assez long. Oui. Genre là, je sais que je tourne le dos à la caméra. Tac. Est-ce qu'il y a des crans par là? Non. Il y en a un ici. Tac. J'en ai mis un là et un là. Hop.
que je réussisse maintenant à faire le petit bout qui me manque. Donc, je vais pousser les poids. Ça à peu près comme il faut. Ah ben voilà, comme ça, c'est pas mal ça. Et là. Alors, j'ai marqué mes crans, oui. A priori, les boutons, je m'en fiche puisque je les mets pas. Voilà, donc ça, c'est donc le devant gauche. Allez. Je vais même pas faire de surjet, rien. C'est vraiment une toile. Alors maintenant, le devant droit. Il est là. Dans l'autre sens, hein, tout à fait, histoire de gagner du tissu. Genre quelque chose comme ça. Je vais quand même vérifier le droit fil. Et bon, a priori. Je ne dois pas en être loin là, parce que je suis au bord. Ah oui, non, j'ai dit que elle, c'est vrai, elle, ce droit fil était complètement décalé. Alors, dans quel sens? Non, là, je prends trop de tissu. Donc, plutôt dans ce sens-là. Là, je suis sur la lisière. Hop, quelque chose comme ça. La ligne de droit fil est là. Mon mètre. Alors, 28,5. Ou pas du tout. Je suis carrément à côté de la plaque. 24. Alors, on tourne. Et 28. Ah bah, on est toujours pas. Hein. Donc, on est plutôt quelque chose comme ça, normalement. 26,5. 27,5. Encore un peu. Bon retour par l'isotope. Ça, bah je me suis reposée ce matin. Hein. Je me suis montée m'allonger. J'ai pas dormi. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de sommeil. J'ai lu. Puis j'ai fait une petite sieste après le déjeuner. Voilà, non, mais là, c'est juste, de toute façon, c'est juste à récupérer maintenant. Il n'y a rien de particulier à faire à part accepter que ça soit fatigué, que les jours à venir soient un peu fatigants. Voilà, je pense qu'on est. Donc là, il faut que j'accepte qu'effectivement, je ne vais pas faire de longues tâches à chaque fois, que ça sera par petit bout pendant quelques jours. 27,5, c'est pas mal ça. Alors ça veut dire que je peux
gagner comme ça. Je crois que ça le fait chez tout le monde, hein, donc. Ou alors c'est pas que moi. Je crois que c'est la grande caractéristique quand même. 27,5. Et 27,5. Pas mal ça. Ok, on coupe. On y va. Est-ce qu'il y a des petites pièces que je peux caler là? Elles sont où mes petites pièces? Est-ce qu'il y a une petite pièce que je pourrais caler? Je crois pas. Ah, peut-être le volant. Le volant. Eh bien, même pas. Et là. Eh ben non plus hein. C'est pas cool ça. Les volants vont. Ah si. Si si si. Alors en débordant sur la lisière, oui, mais après tout, on s'en fout puisque c'est une toile. Donc je peux déborder sur la lisière. Alors ouais, attends, faut que je regarde. J'ai l'impression que tous mes points d'exclamation ne fonctionnent. Enfin, aucun de mes points d'exclamation fonctionne. Pourtant, il me semblait les avoir remis ce matin. Ouais, de fonctionner au ralenti, ouais. Tout le monde m'a dit. Hein. On a l'impression d'être en forme, puis on commence un truc, et en fait, bon, faut aller s'arrêter, quoi. Alors. Cloudbot. Voilà, là, ça doit mieux fonctionner. Donc, c'est le patron. Voilà. C'est le patron de la robe Alix qu'elle a sortie la semaine dernière de chez Chacou. C'est la première fois que je couds un patron de cette créatrice. Je ne connaissais pas. Je connaissais deux noms. Hein. Je n'en avais jamais testé, jamais tenté. Donc c'est voilà. Ouais, je dois pouvoir loger un volant là. Et comme je me fiche de la lisière, là j'avoue, si je tire un petit peu sur ça, je peux peut-être gagner un petit poil. Quelque chose comme ça que je peux gagner. Ouais, ça serait encore mieux. Pour vraiment pas être trop dans la lisière. Ou pas, sachant que je peux même tenter éventuellement les ceintures en contre-fil. Hein. Vu que c'est pas fait pour être porté, éventuellement, je peux tenter les ceintures en contre-fil. D'ailleurs, plutôt que de m'embêter. La robe Alix, ouais, elle m'a plu. Et puis je disais ce matin, j'ai jamais porté de robe portefeuille. C'est une première. Donc j'essaye de trouver un modèle qui m'irait à peu près, qui me plairait à porter. J'en ai jamais, même pas dans le commerce, hein, c'est un truc que je n'ai jamais porté. 35,5. Oh, j'ai perdu mon droit fil. Là. Est-ce que je tente les ceintures en contre-fil, puisque je n'ai pas l'intention de porter la robe? Bonne question. L'objectif, c'est quand même de gagner au maximum du tissu.
J'ai de quoi en loger. Donc en loger deux. Je verrai après. Je verrai après selon ce qui me reste comme tissu. Ouais, si je fais la toile pour contrôler le fini, ça va complètement fausser. Ouais, mais enfin, c'est juste la ceinture. C'est juste la ceinture au niveau de la taille. Donc, je suis pas sûre que ça fausse beaucoup le tombé de la jupe, en fait, de faire la ceinture en contre-fil. C'est d'abord pour contrôler la taille parce que je trouvais le tableau de mesure un peu étrange. Enfin, un peu étrange. Différent de ce que j'ai l'habitude de faire pour moi, en fait, plus exactement. Au niveau de la répartition des mesures, c'était assez inhabituel. Donc, j'ai été un peu surprise de la taille que j'ai prise. Donc, c'est d'abord pour contrôler la taille. Ensuite, c'est pour contrôler de combien je vais devoir la raccourcir parce que je sais qu'elle sera trop longue. Et enfin, pour contrôler, pour voir si effectivement c'est un modèle qui me va. Donc, dans tous les cas, j'ai pas l'intention de la porter. En fait, pour être clair, j'ai pas l'intention de la porter celle-là. J'ai même pas acheté de tissu pour la doublure. Je suis allée regarder de ce que j'avais dans mes chutes de coton léger. J'ai pris un coton qui n'avait rien à voir. Je pense que ça doit loger et puis ça ira bien. Parce que le buste est doublé apparemment. Voilà, je ne voulais pas faire de frais plus que nécessaire. Donc il me restait un coupon léger. Pas tout à fait du voile de coton, mais ça y ressemble. Je pense que ça ira bien. Alors, je me suis arrêtée là. Voilà, je ne suis pas à ma main là. C'est loin. Là. Alors, j'ai mis des petits crans. Ici. Ici. Je me moque de la boutonnière. Ben, ça a l'air d'être bon pour celui-là. Ça, on enlève. Tac. Ah, la fille qui est restée accrochée. Bonjour Nadine, ça fait très 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 longtemps. Je suis ravie de te voir. Bonjour, bonjour. Hop,
ça, c'est donc le devant, l'autre devant. Hop, voilà. Alors maintenant, le très très grand pan, c'est la jupe d'eau. Faut pas que je mélange. Ah, elle est plus correctement. Voilà. Alors maintenant, il faut loger la jupe d'eau là-dedans. Et on a dit que la jupe d'eau, elle ne logeait pas. C'était bien le problème. La jupe d'eau, elle est pile dans ma largeur de l'aise. C'est bien le souci. Bon, je dis ça à Nadine en fait, mais ça fait quand même aussi longtemps que j'ai pas streamé. Alors en même temps, alors j'ai donc vérifié ce matin et la largeur de la jupe fait 150. Alors c'est à noter dans vos tablettes si vous voulez faire la robe, il faut voilà, elle loge pas. Elle ne loge pas dans la largeur de l'aise de la popeline. Je pense que Nadine, on ne peut pas dire que tu l'as eu, parce que tu l'as eu, c'est pas encore du passé. Ah oui, ben je suis en plein dedans en fait. Pour tout te dire, Nadine, je me lève juste de ce matin. Voilà, voilà. Je me lève juste de ce matin. Jusqu'à hier, j'étais couchée. Bon, donc, ce qu'on avait dit ce matin, eh bien, c'est bien ce qui me semble. Il va falloir que je fasse une sorte de pince à la jupe, puisqu'elle ne passe pas dans la laisse du tissu. Sachant que c'est une taille... tu bosses tous les matins. Ah ouais, d'accord, ok. Donc effectivement, et comme moi je stream essentiellement le matin, eh bien il va falloir rétrécir la jupe, hein. On n'a pas le choix parce qu'elle ne loge pas dans une laisse de tissu. Voilà. Donc il va falloir faire une sorte de... Une sorte de quelque chose comme ça, quoi. Pas cool, hein? Pas cool, pas cool, hein? Et faut que j'enlève. Il faut que j'enlève quand même. J'enlève 6 cm sur la largeur de jupe. Bon. Alors, on va enlever le tissu et on va faire un peu de manipulation sur la pièce de patron. Très bien. Très bien, très bien. Donc, le milieu d'eau, c'était là. Papier. Bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait dans le fond de papier? Je l'ai rangé, pas rangé. Je ne sais pas. Très bien. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon crayon de papier. Ça commence bien. Eh ben, je l'ai rangé. Voilà. Alors, on va dire 6 cm. Donc, on va dire qu'il faut que j'enlève 3,5 ici.
ça mène là et que j'enlève 3,5 de l'autre côté, ça emmène là. D'accord, Little Grum. Tu poses le haut de la jupe à ta taille pour voir la longueur et si c'est trop long. Alors, oui. Ouais. Mais je sais qu'elle est trop longue. Je sais qu'elle est trop longue et qu'il faut que j'enlève. Mais en fait, c'est que justement, j'en sais rien. Je ne sais pas si je veux la mettre à la cheville ou au mollet. C'est pour ça que je ne voulais pas trop couper sur le patron de départ. Parce que justement, je voulais voir sur moi. Je voulais voir sur moi ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais faire une cheville ou une mi-mollet ? Puisque c'est la première fois que je porte ce type de robe, je n'ai aucune idée de la longueur qu'il me faut. Vu que c'est une première. Si j'avais une idée de ce que je porte d'habitude, je prendrais la longueur de jupe habituelle. Mais en fait, il n'y a pas de d'habitude, c'est la première. Voilà. C'est la première, donc je ne peux pas, tabler sur ça. Donc, il faut que je fasse autrement. Donc, on va réduire en faisant une sorte de pince. Une sorte de pince ici, là. Je vais tracer les traits. Une pince qui sera un peu temporaire. Mais bon, de toute façon, il faudra la raccourcir. Hein. Donc, sur le prochain, sur la vraie, j'aurais raccourci cette longueur-là, ce qui fait que j'aurais pas besoin de... Enfin, j'aurais moins besoin de rétrécir cette largeur. N'empêche que si je généralise, ça veut dire que sa robe, au niveau du patronage, ne tient pas dans une laisse classique de popeline. Puisque ma laisse, elle, c'est du 148, je crois. 148 ou 150. Enfin, 148 utile. C'est donc, il y a quand même plus court, hein, parce qu'il y en a à 140, 142. Et là, donc. Et donc là, ça ne loge pas en 148. Ce qui est quand même un peu dommage. Qu'elle n'ait pas contrôlé ça. La créatrice n'ait pas contrôlé que sa largeur de jupe loge dans les standards usuels de tissu. Ça me paraît un peu surprenant, en fait. Voilà, on va réduire ça comme ça. C'est-à-dire que je vais aller poser celui-là sur celui-là. Ouais, ça va faire ça. Même étrange, non, de pas vérifier que la largeur de jupe loge dans un coupon. Je trouve ça un peu... Ou alors c'est vraiment que j'ai mal coupé ma pièce de patron, hein. C'est pas impossible non plus, mais... Voilà. Et donc, ici... Ah. Masking tape. Là. Voilà.
Elle est prévue au pli, ben oui, elle est prévue au pli, c'est marqué en gros, donc a priori, je pense que je me trompe pas trop. C'est marqué en gros sur le. C'est du 42. Non, c'est pas du tout indiscret, on est là pour parler couture, alors franchement, les tailles de vêtements, c'est pas indiscret. Il y a marqué au pli ici. Alors oui, je pourrais effectivement là. Faire un raccord de couture, hein, ça c'est pas gênant en soi. Et alors jusqu'à où elle va, je sais pas jusqu'à combien elle va. Il n'y a pas un gros éventail de tailles d'après mes souvenirs. Alors, je vérifie. X, c'est pas ça. Ah si, elle va jusqu'au 52. Donc moi je coupe en 42 et elle va jusqu'au 52. Ça veut dire quand même que jusqu'au 52, faut quand même rajouter pas mal, hein. Si on compte un demi centi en bas, si on compte un demi centimètre par taille, il faut quand même rajouter encore 5 centimètres. Ouais, mais enfin on vérifie pas qu'en 36-38 quand même. Enfin, c'est un peu bizarre. Ouais, donc Little Graham, il me manque 5 cm en minimum, non, il me manque 6 cm en largeur sur mon tissu. Sachant que je sais que mon vrai tissu, le petit pan là, c'est du 142. Alors que celui de Montial Tissu, c'est du 148. Donc je sais qu'en plus, je vais avoir encore moins de tissu disponible sur la vraie version. Donc de toute façon, il faut que ça, c'était quelque chose auquel il fallait que je réfléchisse. Alors ça va être affiné par le fait que de toute façon, je vais la raccourcir en bas, donc ça va enlever de la largeur. Mais je trouve surprenant quand même que ce point-là n'ait pas été vérifié. Enfin bon. Faut pas que je raccourcisse en taille là. Faut pas que je raccourcisse à la taille. La taille, elle reste. J'ai pas bien fait mon pli. Tac. Comme ça. C'est un peu. Voilà, là ça doit. Alors ça bouge un peu sur le haut là. C'est pas tout à fait comme ça qu'il aurait fallu que je le fasse. J'aurais dû le reprendre. Alors en plus, je me trouve sur mon. Pas facile là. Je me trouve sur mon endroit de collage. Donc forcément, il aime pas trop là. Plie soigneusement. Que là, ça doit le faire.
va vérifier si ça rentre. Là. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça rentre ? Ok. Là, alors, question, est-ce que ça rentre ? Eh ben, c'est pile, hein, et je suis sur les lisières. J'ai enlevé en bas, j'ai enlevé 7 cm et je touche les lisières quand même. Donc, alors je m'en fous sur celle-ci, hein, puisque c'est une toile, mais bon, pas top quand même. Alors pour le coup, où est le droit fil ? Le droit fil, ça doit être ça. Doit être là le droit fil pour le coup. Tac. Est-ce que je suis comme il faut ? 69. C'est pas droit. Quelque chose comme ça. Ouais. Alors, la solution de cela, il est déjà la jupe en deux pans tête beige. Oui, tout à fait. Oui, c'est une solution, ouais. Mais vu l'ampleur de la jupe, franchement, la réduire de 7 cm, c'est pas ce qui va me tracasser, hein. Je vais pouvoir me permettre de tailler un peu dans le vif là. Pour mon tissu principal, je ne sais pas s'il a un sens. Je n'ai pas regardé. Je sais que celui-là, il n'en a pas. Mais là, franchement, je pense que réduire l'ampleur, c'est pas un drame, là. À mon avis. Ah ! Il faut que je la rapproche. De l'autre côté, je suis sur la lisière. Et je suis vraiment en limite, hein. Je suis vraiment en limite. Je vais coudre sur la lisière. Bref, à noter, faut que je note ça dans mon petit doc sur le patron que ça loge pas ça loge pas sur une largeur normale, enfin sur une laisse normale. Je le sache pour la prochaine fois. Bon, alors là, évidemment,
J'ai plus tout à fait un bel arrondi en bas ici. Bon, c'est pas grave pour la version test. Là, j'ai une sorte de... un petit renfoncement, forcément, puisque la jupe était censée être ronde en bas. Comme j'ai replié un petit peu, l'arrondi est un peu cassé. Voyez, je suis vraiment sur la lisière. Vraiment, vraiment. Alors oui, j'avais mis des petits crans. Il faut que j'épingle puisque je vais devoir tirer d'ailleurs. Tirer le tissu. J'ai l'impression que ma petite caméra a lâché là-haut. Pourquoi donc? Voilà, je suis de retour. Je sais pas pourquoi elle avait coupé. Alors là, il faut que je le fasse ici, par ciseau, parce que j'ai pas de tapis de coupe à cet endroit-là. Et j'aime pas couper à la paire de ciseaux. Je ne sais pas faire. N'y arrive pas, c'est jamais droit. Hop, je retourne le tapis, je retrouve le tapis là. Ici. Il y a un cran là. Je précise, l'écran, ils n'étaient pas dans le patronage, hein, c'est moi qui les ai rajoutés. Je trouvais que la longueur était importante. Et sur une longueur de tissu pareil, j'aime bien me repérer correctement. Donc j'ai mis j'ai rajouté des crans. Là, et un cran ici.
va tirer le tissu maintenant. Par le haut. C'est pour quelle occasion? Il n'y a pas d'occasion. Il n'y a pas d'occasion, juste que la robe m'a plu. Voilà. La robe m'a plu et puis je me suis rendu compte que pour aller travailler, quand il fait très très chaud, et ce qui quand même arrive de plus en plus souvent, j'ai très peu de vêtements d'été portables. Et d'ailleurs, il suffit de voir, hein, aujourd'hui, j'ai un short, un t-shirt, et c'est un t-shirt ultra basique qui a été customisé à la main sur un short ultra basique. Et c'est ma tenue d'été, en fait. Je vis l'été en short et en t-shirt. Sauf que je ne peux pas aller travailler en short et en t-shirt, évidemment. Ça, c'est pas possible. Et que j'ai très, très peu de... J'ai très très peu de vêtements d'été portables au travail. À part un ou deux pantacourts et une ou deux robes. Et donc je me suis rendu compte là que avec le mois de juin qu'on a eu très chaud, et ben en fait j'ai passé mon temps avec la même robe, tout le temps, à l'école. Donc ça serait bien que je me fasse un ou deux trucs. Portable au travail. C'était ça en fait la raison au départ. Trouver un ou deux modèles de robes portables. Parce que moi sinon, oui, il suffit de regarder comment je suis habillée aujourd'hui. Hein. Short et t-shirt et c'est très bien. Donc il n'y a pas vraiment d'occasion particulière. Hop, cran du milieu. Il est ici. Voilà, bon, j'ai réussi à caser la jupe dans la largeur. C'est la jupe d'eau. Alors, le corsage. Ça va là. J'espère que j'ai assez de tissu. Mais d'après ce que je vois, ça va être très short. Donc ça veut dire qu'au niveau de la quantité de tissu demandé, elle était pas c'était pas d'aplomb non plus ce qu'elle disait. Parce que j'ai commandé exactement ce qu'elle disait j'ai acheté exactement ce qu'elle disait et je crains que ça rentre pas bien bien. Alors là, je peux y mettre ça. Alors, elle disait 2,50 m, je crois.
Ah si, c'est bon. 2,50 m et puis je crois qu'il fallait 60 cm pour la doublure. Moi, j'ai pas acheté de la doublure, je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai dans mes affaires. Mais ouais, il faut bien ça quand même, hein. On va mettre ça au milieu. Donc ça, c'est la ceinture dos au pli. Bon, ben ça, c'est bon. Ceinture gauche, ceinture droite. Deuxième ceinture gauche. Ah, sachant que la ceinture dos, il faut la mettre deux fois. Une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Est-ce que je... Ouf! Alors, donc là, il me la faut deux fois. Ça mène ici. Là. Est-ce que je la loge deux fois? Oui, je la loge deux fois. Parce que ça, c'est quatre. Ça, c'est quatre fois ça. Les volants là. Oh la vache. Donc là, je peux mettre un là, mais je peux pas en mettre deux. Non, je peux pas en mettre deux. Ouh. Est-ce que mes volants, je peux les mettre? Oui, mes volants, je peux en mettre un et un de chaque côté, là. Ok. Un. Oh, ça va être short quand même, hein. Ça va être short quand même. Alors, si je fais l'inverse, si je pars sur ça. Part dans l'autre sens. Est-ce que c'est possible? Je vois très triste quand même un peu, hein? On joue à Tetris, on joue à Tetris. Comptez plutôt 3 mètres, hein, les filles. Là. Donc là, je peux mettre, a priori, je peux mettre toutes les bandes ici. Là, dans tous les cas, de toute façon, je ne peux pas mettre de volant. Non, je ne peux pas mettre de volant ici, ça c'est sûr. Dans l'autre sens, ça ne change rien. Donc le volant, c'est là et là. Ben, heureusement que j'ai un tissu qui n'a pas de sens et heureusement que c'est une toile. Parce que sinon, ça logeait pas. Voilà, on va dire comme ça. C'est des bandes de combien là? C'est des bandes de 6 cm. Toutes, j'imagine que c'est les mêmes. Ok, on va faire, comment, faire des bandes de 6 cm là. Là, ici. Ça doit loger comme ça doit être bon. Là, ça le fait. Là. Je sais pas si j'y gagne dans un sens ou dans l'autre, ça me paraît pas.
Ah oui, mais je loge plus mes, je loge plus mes volants. Si je baisse mes... Ah oui, je loge plus mes volants. J'ai pris un peu plus pour... Attends, je vois mal. Le tissu définitif. Ah oui, j'ai 4 mètres pour le tissu définitif. Oui, j'ai 4 mètres dans le tissu bleu, parce que sur la robe amaryllis, elle disait 4 mètres. Donc j'avais pris 4 mètres. Non, non, j'ai largement, j'ai aucun, j'ai pas de, j'ai pas d'inquiétude sur le tissu définitif. J'ai pas d'inquiétude sur le tissu définitif. Alors, et faisons comme ça. Plutôt ça ici. Est-ce que là, je loge... Parce que là, je dois en loger 4. Hein. Là, je dois en loger 4. En fait, j'espérais que cette robe-là ne prendrait pas trop de tissu et que ça me permettrait... Avec ce que je pouvais sauver des 4 mètres. Je voulais faire un deuxième truc avec le reste. Alors, une blouse, un chemisier. J'avais repéré le. Enfin, j'ai pas repéré parce que j'en ai déjà fait un. Le chemisier Fit But You Know It de Patron Gratuit de Festive Road. J'en ai déjà fait un et. J'aurais bien aimé en refaire un. Donc j'avais pris 4 mètres en me disant, comme ça, si j'ai du reste, je pourrais faire. Je profiterai du rab. Oui, non, mais parce que là, il m'en faut une bande. Il m'en faut une bande ici, puisque j'ai dit que celle-ci. Celle-ci, il faut que je la fasse deux fois. Voilà, celle-ci, c'est deux fois, j'ai dit. Une fois. Deux fois. Ok, ça loge là. Et alors, bah maintenant, il me faut mes 4 volants. Mes 4 volants. Alors, j'arrive ici. Ah, je ne loge pas les 4. Hein. Enfin, dans tous les cas, je ne loge pas mes 4 volants là. J'en loge 2. Alors, sauf à les mettre en contre-fil, hein, vu qu'elle ne sera pas portée. Mais bon, pas top quand même. Mais là, quoi que je fasse, je loge pas les 4. Hein. Je loge pas les 4. Tête beige, bah oui, c'est ce que j'essaye, mais alors au mieux j'arrive à la mettre là, ce qui fait que je peux mettre ici, j'arrive là, ensuite je reviens là. Alors, va vraiment falloir que ici, là, ça soit au millimètre près, que je me plante pas sur le plus loin que je puisse le mettre sur la pointe. En enfilant les pointes les unes dans les autres, ouais, ça doit passer. Mais vraiment, bon, alors.
Ok. Par quoi je commence? Donc là, j'ai vu que ça logeait, ça logeait, ça logeait. Ce que je vais faire, tout ça, ça loge, ça loge. Je vais couper. Là, voilà, comme ça. Donc ça, je l'éloigne, j'en ai pas besoin pour l'instant. Là, il faut que je fasse mes bandes de 6 cm. Ah ouais, mais ça va être... Il y a du Tetris, là. Là, c'est du Tetris, du Tetris. Alors, ma règle à patchwork. Et on va économiser au max en coupant des bandes. Et tant pis, je ferai les pointes des ceintures après. Donc, j'ai dit des bandes de 6 cm. Au plus près. Je suis là. Alors 6. J'en ai combien à faire? 1, 2, 3. 4, 5, puisque la sixième, elle va avec le chemisier, avec le buste. Et la cinquième. Voilà. Donc là-dedans, il faudra que je taille les ceintures. Ça va là. Alors maintenant que je peux voir mon coupon. Visière bien droite. Au plus court, en prenant bien, en prenant le tissu sur la lisière, c'est-à-dire que là je mange sur la lisière, je peux mettre ici. Ça c'est au plus court. Est-ce que je suis dans le droit fil? Pas trop. Alors, hop, il faut que je tourne un peu. Là, ça c'est pas mal. Le premier, puis après on va mettre tête bêche les uns après les autres. Alors, on essaie de pas déborder plus loin que nécessaire.
là-bas. Ah, petite pointe que j'ai pas coupée là. Ouais, je suis vraiment sur le bord. Hein. Voilà. Alors, le suivant. Le suivant. Là, ça doit pas être mal, ça. Qu'est-ce qui te stresse? Le fait d'être pile poil, oui, bah, je stresse aussi, je vais te dire, j'ai très chaud. Mais heureusement que c'est une toile et pas une version définitive, parce qu'effectivement, je crois que je stresserais complètement. Alors, on n'est pas du tout sur le droit fil. Là, on y est. Voilà. Hop, là. L'année dernière, pour la robe Charlotte de petit patron que j'avais fait, c'était pareil, j'avais flashé sur un tissu. J'ai perdu mon épingle. J'avais flashé sur un tissu qui était en 110, alors que le patron était indiqué en 140, hein, comme classique. Il n'y avait pas les mesures pour du 110. Donc j'avais acheté en tablant sur le 110, hein, bien sûr, mais le tissu était tellement cher que je voulais pas non plus acheter du tissu pour rien. Donc j'avais fait à la louche ce que je pensais avoir besoin. Donc je devais avoir besoin de 2,20 m, je crois, en 140, et j'avais pris 3 m en 110. J'étais tellement stressée à essayer de bien tout faire rentrer dans mon coupon, que je ne sois pas obligée d'aller racheter du tissu, quoi, parce qu'au prix du tissu, je ne voulais pas. J'ai joué à Tetris tout au long de la découpe du tissu. Bah, j'ai tellement bien joué à Tetris que j'ai réussi à loger ma robe en 200 cm dans le 110. C'est-à-dire que j'ai fait moins dans le 110 que ce qu'elle disait dans le 140. Mais alors, c'est vrai que j'avais tout millimétré. Donc, résultat de mon tissu, il me restait 1 mètre sur les 300 que j'avais achetés. Comme quoi, quand on est précautionneux, on arrive à économiser du tissu, quand même. Bon, ça allait aussi parce que c'était aussi un tissu qui n'avait pas de sens, hein, on est bien d'accord. Le tissu aurait eu du sens, ça aurait pas été possible. Hop, ça c'était le deuxième. Deuxième volant. Non mais là c'est bon, là je pense que regarde, j'ai largement de quoi loger. Oh ben même à l'aise. À l'aise, j'ai tellement serré le truc que je vais être à l'aise pour les deux derniers. Regarde, j'ai largement ce qu'il faut. J'ai même pas besoin de. J'aurais même de quoi faire ma dernière bande.
suis sûre que j'ai de quoi faire ma dernière bande. Oh! Qu'est-ce que Streamlabs a fait? Alors, j'arrive, les filles. Un petit... T'as mis trop de A majuscule. La modératrice, elle fait quoi à côté, là? Je sais même pas si je peux... Si je peux y faire quelque chose. Je peux y faire quelque chose? C'est pas moi qui connais ton bot, hein, maman. C'est... Ouais, mais enfin, il a effacé tous les messages d'avant. C'est pas quand même pas ce qu'on lui demandait. Oui, je sais bien. Bon, enfin. Mais voilà, je loge sans difficulté. Tu peux les... Ah bon. D'accord. Alors, je vois pas. Bienvenue, mes fils en aiguille. Bienvenue. Merci pour le follow. On est en train de jouer à Tetris. Mais ça va le faire. On va le loger. Hop. Donc, tac, troisième volant. Où est l'autre? J'en avais bien trois des volants. Il me manque un. Un, deux, bah voilà, j'en ai perdu un. Je l'ai jeté. Non mais n'importe quoi. Le troisième. Et le quatrième va loger sans aucun souci. Quatrième, hop, voilà. Et je vous dis, j'aurais même la place de faire ma sixième bande. Non, mais il ne fallait pas stresser, en fait. Tout va bien. Hop, je suis sur le droit fil. Alors, je suis trop loin, je ne vois pas ce que... Alors, la robe valet, top galéna, et t'en reste même un petit bout, enfin un top. Bonjour Norma, alors, oui, ça faisait longtemps. en effet. Non, mais quand on est vraiment précautionneux avec nos placements de tissus, on fait des miracles. Moi, pour tout dire, je ne suis jamais le plan de coupe. Jamais. Je trouve que très souvent... Il y a un gâchis de tissu dans les plans de coupe. Donc je ne suis pas. Je fais à ma sauce.
Bon, voilà, quand même, on peut dire que pour la robe, il y a besoin de 2,50 m. Hein. Je pense qu'on peut pas faire moins, là. Je crois que j'aurais tout utilisé. Là. Ah, j'ai même coupé un peu court là. Bon, c'est pas grave, ça sera dans la marge de couture. Je l'ai un peu trop serré là. C'est pas grave, on fera avec. Là, j'ai un petit peu dans la marge de couture. Ouais, c'est pas grave. Et j'ai de quoi faire ma sixième bande de ceinture là-dedans. Oui, je suis d'accord, c'est du gâchis de tissu, tout à fait. Les plans de coupe en général. C'est pour ça qu'ils sont pas précautionnels. C'est que moi, mon temps ne coûte pas d'argent. Donc, je prends le temps de réfléchir au placement pour gagner du tissu, alors que eux, ce qui leur coûte cher, c'est le temps, c'est pas la matière. Donc il faut des plans de coupe qui soient simples à suivre et qui aillent vite, d'où la découpe au pli d'ailleurs. Ça va plus vite de découper au pli, hein. Mais la découpe au pli demande plus de tissu. Et j'ai réussi à loger ma sixième bande. La découpe au pli demande plus de tissu parce qu'effectivement le tissu coûte moins cher que le temps de la couturière. Et moi, mon temps, il coûte moins cher que le tissu. Mon temps ne me coûte rien. Donc là, il faut que je fasse toutes mes découpes de ceinture maintenant. C'est bon, c'est pour ça que je coupe jamais au pli. Parce que pour pouvoir gagner le plus possible le plus possible. Alors, donc ici. Là, c'est ceinture gauche. Tac. Là. Et là, en voilà une. Ceinture gauche. Ça, c'est la ceinture droite. Ensuite, ça c'est la ceinture que je dois faire deux fois. Alors, où est-ce que ça loge en deux fois? Peut-être pas partout, mais si, là ça loge en deux fois. Tac. On est un peu dans l'lisière, mais on s'en fiche. Une fois. Alors, quelle est la plus grande là? Pour que je fasse la deuxième. Hop. Ah, je te loge pas trop là-dedans. Là. Je te loge pas trop. Et ici. Je te loge pas. Ah, c'est en largeur que je loge pas. Bon, ben, j'ai pas pris les bonnes. Il est bon, c'est pas grave, ça va le faire. Là, c'est pas aussi ça, là, super, nickel, ça loge. Hop. Et toi là.
ça, c'est la deuxième. Ça va là. Alors, ceinture droite. Ceinture droite. Ceinture droite, c'est ici. Et la deuxième ceinture gauche. Voilà, deuxième ceinture gauche. Ok, donc là, j'ai mes ceintures. Il faudra que je marque tout l'écran. Dernière partie. Le buste. Le buste, on l'a logé là-dedans. Ah, raté. Ok. Alors là, il faut que je descende au plus bas. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Hein. Ah. Là. Donc. C'est du quadrillage. Et là, il faut descendre au plus bas. Et au plus bas, je pense que c'est là. Alors, il faut que je décale un peu comme ça. Voilà. Okay. On vérifie. 21,5. Celui-là, ici. Pareil, hein, je suis ici, là, je suis pile, je suis sur le bord. J'ai vraiment optimisé. Alors, j'ai des crampes aussi à faire ici. J'ai un cran là. Tac. J'en ai un ici. Et j'en ai un là. Hop. Je crois que j'en ai pas d'autres ailleurs. Celui-là, c'est bon. Et là, celui-là.
celui-là est fait. Celui-ci. Alors. Ah, j'ai une aiguille. Enfin, non, j'ai une épingle. J'avais une épingle dessous. C'était celle que je cherchais tout à l'heure. Bon, ben là, a priori, on est comme ça. Ouais, en haut, j'ai une marge de 1,5 cm. Pas beaucoup de rabat. Et là, bon, là, c'est bien. Là, c'est bien. À la lisière, je suis à 70 et là, bah, dis donc, c'était pile nickel. Voilà, ça c'est les deux dernières pièces. Allez, on coupe. Là, j'aurais pas logé de volant là. Alors, l'écran. On a dit un ici. Un là. Et un là-bas. Oh, je suis pas maman. Là. Voilà. Là, c'est fait.
et l'écran aussi. La partie d'eau, là. Donc j'en ai un ici, c'est le milieu. Un là. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, mais en fait, il n'y a pas besoin. Et ici, milieu. Voilà. Ça, c'est ce qui est en trop. Est-ce que j'en ai besoin d'autres là? Non, j'ai bien tout reporté. Ok, j'ai tout reporté. Ça, c'est le dos. Il ne me reste plus qu'à reporter l'écran des ceintures et des volants. Alors ça, c'est le buste. Ça, c'est le buste. Alors, il faut que je fasse toutes les ceintures. Il faut que je fasse tous les volants. Vous approchez un peu pour le coup. On va commencer par les volants. Il faut trouver le milieu intérieur pour chaque. Ici. Là. Hop. Et celui-là. Ici. Ok, donc ça c'était les volants. Je t'en mets bien. Des manches. J'ai plus besoin de ça. Alors, maintenant, les ceintures, elles ont des petits crans aussi. Alors. Là. Et il en faut un ici. Tac. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, là, j'imagine. Ah, là. Tac. Je vais marquer ce que c'est. Ah. Oula, pardon, je vous désolée, je vous ai fait bouger, mais carrément. Pas sûr que ça tienne. Dos. Ça, c'est la ceinture dos. Voilà. Alors, la deuxième ceinture dos. Ici. Cran. Ça c'est fait. Ensuite ici j'ai la ceinture gauche. J'en ai un là, un là. Et
boutons, ça m'est égal pour aujourd'hui. Pas besoin. Alors, gauche. Gauche. Ça, c'est la ceinture droite. Alors, ceinture droite, j'en ai un là. Ah, bouge pas. Un là. N'approche pas trop près. N'approche pas trop près, je te mets un verre d'eau. Ouais, mais j'avais ma gourde. Merci chérie. Non, elle est sur le bureau. Donc, Eden nous dit de boire. Donc, buvons. Donc, ça, c'est droit. Droit. Ah, j'ai pris deux morceaux. Lequel j'ai pris, c'est toute la question. Sur gauche, sur droite. En fait, peu importe, on est bien d'accord, parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes. Oui. Ok. Donc ça, c'est ceinture droite aussi. Là. Droit et la dernière c'est celle-là. Hop, et c'est la gauche. Bien les identifier parce qu'elles n'ont pas les mêmes crans puisque là la robe est asymétrique donc les ceintures se positionnent pas de la même façon. Et ça c'est gauche. Voilà, les ceintures sont identifiées. Et bien je alors ah oui maintenant il faut que je découpe la doublure. J'allais dire, je crois que j'ai fini. Ben non, j'ai pas fini. Ouais, c'est la doublure à faire. Et là, je crois que ça va pas loger dans le coupon que j'avais sorti. Je crains d'être obligée de choisir autre chose que ce que j'avais prévu. Donc ça, c'est la robe principale. Voilà. J'avais donc pris une chute qui était trop petite pour que j'en fasse vraiment quoi que ce soit. C'est la collection chez Stragier, le tissu soyeux 1. Comme c'est léger, je me suis dit que pour la doublure de la toile, ça allait le faire. Mais est-ce que je vais réussir à loger dedans? Eh bien, c'est pas garanti en fait. Je suis pas bien sûre là. Loger dedans. Puis alors franchement, ça me ferait suer d'acheter un coupon exprès, là, je dois dire. Alors, donc là, je peux loger ça comme ça. Question, est-ce que je peux loger les deux autres là-haut?
Oh, mais oui, nickel. Eh, si ça, c'est pas l'optique. Ah, très bien, voilà, qui va m'utiliser un coupon dont je ne savais pas quoi faire. Parfait. Si ça se trouve, je pense que ça loge même dans le bon sens. Ça loge même dans le bon sens. Ah, peut-être pas quand même. Là, là. Ah, si. Monsieur, monsieur. Très bien. Ben voilà qui va m'utiliser ce coupon dont je ne savais que faire. Nickel. Nickel, nickel. Et là, si je la loge comme ça, j'ai même encore une bande. Encore une bande. Bon, alors. Plaçons ça. Donc, je vous rééloigne. Puissiez voir complètement. Hop là. Alors, 28,5. Tout à fait, on va décaler un peu. Voilà. Sur une toile, j'aurais pu ne pas faire la doublure intérieure, mais ça va me servir aussi quand même à comprendre le montage. Parce que j'ai fait que un seul essai de buste de robe doublée, sur la toile de la robe à Amaryllis, et je suis pas hyper convaincue du montage de la doublure sur la Amaryllis. Alors, donc, j'aurais pu me contenter de ne pas faire de doublure, mais c'est bien, ça va me permettre de voir comment elle monte la doublure là. Parce qu'en plus, là, cette fois-ci, il y a une ceinture, alors que sur la Amaryllis, il n'y a pas de ceinture. Le bas de la doublure est libre, ce qui est très moche d'ailleurs. Le bas du buste là, à l'intérieur, il est flottant, il est libre, il n'est pas accroché à quoi que ce soit. Pas terrible. Donc, c'est bien, ça va me permettre de voir comment est-ce que ça se monte une doublure de buste sur une robe. Je n'ai jamais fait. Et vous faites comment quand vous avez des doublures comme ça à mettre sur vos toiles? Vous les faites ou vous les faites pas? Question. Vous faites une parementure peut-être? Alors, tu fais pas de toile non portable, t'es comme Little Grump. T'as fait que des toiles portables aussi. Donc, tu fais une version définitive. Donc, forcément, tu l'as fait complète. Ouais. Mais moi, je faisais mes toiles non portables dans le tissu Ikea, mais ils le vendent plus. Je suis bien embêtée.
trouvé ça bien pratique, moi, le tissu IKEA pour faire mes toiles. Oui, ça avait l'air de toile, effectivement, mais on s'en fout, puisque ça ne se portait pas. Ça permettait, j'écrivais dessus, comme c'était de l'écru. Je pouvais écrire tout ce que je voulais, je pouvais faire les remarques sur... Et puis, au prix du truc, je ne m'embêtais pas à savoir si ça allait gâcher ou pas gâcher. Là, mine de rien, cette toile-là, elle me coûte... quasi trois fois plus cher que me coûtait la toile IKEA. Donc, 4,5. Tu fais quand même la doublure. Ouais, ok. Ouais. Pour le montage aussi. Je comprends. Là, au départ, je pensais même réussir à loger la doublure du bus dans le coupon tissu. Donc, c'est pour ça que quand j'étais au magasin, j'ai pas cherché spécialement à prendre de la doublure en plus parce que j'ai pris exactement le métrage demandé. Et comme je sais que je gagne toujours largement du tissu en découpant au plus proche. C'est-à-dire quand je ne suis pas le plan de coupe, en général, je gagne beaucoup. Donc je m'étais dit, allez, de toute façon, je vais gagner assez sur le plan de coupe pour pouvoir loger aussi la doublure du buste. Donc je ne m'étais pas tracassée, en fait. Bon, en fait, non. Hein, La longueur a été quand même calculée au plus juste. Il faut que je le note aussi, ça, sur mon petit doc. Alors, autant j'ai pas de stock de tissu de coupon neuf, autant par contre des chutes de tissu de ce genre-là, mais qu'est-ce que je cumule, hein ? Parce que comme j'ai réussi toujours à gagner par rapport à ce que préconisent les créateurs, j'achète toujours finalement trop de tissu. Donc ça, c'est très pénible. Je me retrouve toujours avec des chutes trop importantes, qui fait que ça gâche, mais pas assez grande pour en faire des trucs. Là, par exemple, ce coupon-là, j'avais essayé de loger un top dedans, mais c'était pas assez grand quand même. Donc voilà, je me retrouve avec plein de petits coupons... trop petit pour en faire quoi que ce soit, très désagréable. Je déteste ça. Donc j'ai tendance à suivre au plus juste les recommandations de taille des créateurs maintenant. Histoire de ne pas dépenser trop. Hop. Et on y retourne. Alors, dans les fournitures, c'était pas indiqué qu'il fallait du droit fil thermocollant, mais vu le biais de l'encolure, je crois que ça va pas être de trop de le fixer avec un droit fil. Sinon, ça va complètement déformer. Enfin, sur la toile, je vais le fixer avec une couture morte, mais version définitive, il va falloir mettre du droit fil. Gagner un petit peu là.
Je peux garder un petit peu là. Tac. Ici. Alors, l'écran. Là, là. Ici. Tac. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Sur mon tissu, il me restera de quoi faire je sais pas quoi là. Hein, j'ai une bande de 20 cm. Tac. Ça, c'est le deuxième buste. Et ben voilà, toutes les découpes ont été faites. Doublure pour un petit sac, ouais, tout à fait. Une petite pochette, ouais. Chouchou, pochette, des trucs là, ça peut. Je garde tout ça. Sur des trucs comme ça, ça peut servir. Ça m'encombre, mais ça peut servir. Il y a pas l'hiver, pas Noël dernier, mais Noël d'avant, j'avais réussi à loger dans plein de petites chutes de suite, mais alors vraiment des chutes que j'avais gardées, de quoi faire des bonnets pour la famille. Eh bien, j'ai vraiment des chutes qui étaient grandes comme ça. Hein. C'était le bonnet d'artisane, il était fait de plein de petits triangles. Donc, en coupant dans toutes mes mini-chutes, j'avais réussi à faire des bonnets. Et voilà ce qui me reste de ma robe. Bah, c'est pas beaucoup non plus, quand même. Hein. Donc là, j'ai un pan ici. J'ai un autre triangle là. Ça, je suis pas sûre de réussir à en faire quelque chose. Des fonds de poche, ouais. Je loge pas de fonds de poche hein, là-dedans. Là-dedans, si. Là, j'ai de quoi faire. Là, j'ai de quoi loger des fonds de poche là-dedans. Fonds de poche pour un jean, ça c'est bien ça. Et là, je loge pas de fonds de poche là-dedans. Tac. Voilà, là j'ai de quoi faire au moins 2 fonds de poche, je pense. Oui, parce que là j'en loge un. Je pense que je loge un fond de poche là. Ça dépend comment ils sont. Et là, je pense que j'en loge un aussi. Voilà, donc ça c'est ce qui me reste du coupon de ma robe. Donc j'ai quand même bien. J'ai quand même été précautionneuse. Voilà! Hop! Et ben, ceci va couper le live pour aujourd'hui. Je vous ramène devant. Parce que j'ai dit qu'on allait. Hop! Je vous passe là. Hop! Ma chaise. Merci Clément 6. Merci. Ah, je suis pas très bien placée, on dirait. Non, c'est plutôt comme ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Voilà, j'avais dit, hein, on ferait petit bout par petit bout, pas trop forcé. Donc, ce qui était prévu pour cet après-midi, c'était juste la découpe. Et ben demain on fera la couture de la toile.
je vais pas du tout surjeter. Hein. Là, on va y aller direct. Ouais, 2 heures par 2 heures, c'est bien là. Là, il est 5 heures, ça fait presque 3. Enfin, moi, ça fait presque 3 aussi, parce que j'ai pas mis au début, mais j'ai repassé le tissu, j'ai réinstallé. Donc là, ça fait presque 3, c'est largement resté pour cet après-midi. Là. Non, dans ce sens-là, voilà. Eh bien, je vais regarder si je peux vous emmener quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui stream ? En créateur. Crochet, bon, ça c'est moi. Ah ouais, il n'y a pas masse de couture hein, cet après-midi. La vache. Bah oui, voilà. En fait, elle apparaissait pas dans mon truc parce qu'elle s'est mise en discussion cet après-midi. Donc je ne la voyais pas en crafter. Et ben, je vous emmène chez Dianae. Et puis moi, je vous dis à demain. Probablement tôt pour profiter de la fraîcheur. Voilà, merci tout le monde. Là, j'ai un peu trop marqué mon nez. On va essayer de venir l'estomper un peu. Mieux. Dianae. Cosplay. Allez, à demain. L'attente d'une robe, la robe d'Alix de... Ha. Ah, quoi débat. C'est une robe pour l'été. J'espère que oui. Je voulais tenter un peu en ce moment. Chat. Ah, cool. Oui, robe longue. Sa toile se déroule correctement. C'est vraiment une plaie quand ça ne veut pas fonctionner. D'ailleurs, c'est quoi ta robe? C'est la robe de Cendrillon du film de 2015. Voilà. Et là, on est en train de faire le make-up test. Hop, petit bronzer. Ah, c'est une robe avec un haut cache-cœur, petit élastique à la taille, et en bas, c'est à partir de rectangle avec deux froufrous en bas. Et c'est des manches papillon.